Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo What in my travel bag. Donc, j'avais déjà fait une vidéo What in my bag. Et du coup, cette fois-ci, comme vous l'avez compris, ça va être qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de voyage. Parce que je pars très bientôt en vacances. Je pars dimanche, mais à l'heure où vous regarderez la vidéo, bah, je partirai le lendemain, comme elle sera publiée samedi. Voilà. Et du coup, je vais aussi bientôt vous faire une vidéo qu'est-ce que j'emmène dans mes bagages. Et il y aura plein de petites astuces pour pouvoir mettre plus de choses dans sa valise ou des choses comme ça. Et pour les deux vidéos, il y aura un lien dans la barre d'infos où vous aurez cette petite liste là. Donc c'est moi qui l'ai faite toute seule, voilà, hein, comme une grande. Et du coup j'ai marqué en gros toute ma liste de ce que moi j'emmène en vacances. Donc il y a le côté bagages en soute et bagages à main, et en dessous c'est les cosmétiques. Donc si vous avez besoin d'une liste, et bah, vous n'aurez qu'à imprimer la mienne, elle sera donc en barre d'infos. Bah, on va commencer. Donc déjà moi quand je prends l'avion, ça fait un bail que je ne l'ai pas pris, mais du coup là j'ai déjà fait mon sac. Et du coup je vais emmener mon ordinateur, donc il y a la sacoche et mon petit sac à dos, voilà. Et du coup ce qu'il faut savoir, c'est que quand on emmène nos sacs dans du coup bagages à main, il y a des normes à respecter qui sont vraiment très précises, et si vous les respectez pas, je pense que à quelques milliers de près, bah, vous pouvez perdre vos produits, donc c'est vraiment dommage. Donc veillez à bien respecter les normes. Donc je vais vous les dire, comme ça vous les aurez aux mains. Pour les produits, vous ne devez pas avoir un produit qui contient plus de 100 ml. Et ils doivent être d'un petit sac sous-scellé comme celui-ci. Et du coup, en tout, dans ce petit sac-là, vous n'avez pas le droit d'avoir plus d'une contenance d'un litre. Et c'est un sac par personne, pas plus. En magasin qui font spécialement du coup pour des formats voyage, donc c'est plus facile pour en trouver. Et sinon, vous pouvez faire de la récup, utiliser des vieux petits pots et mettre vos produits dedans, quoi. Ou alors mettre en soute si vous ne faites pas un vol low cost, ou alors si vous avez pris un bagage en plus en soute. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai dedans. C'est parti. Alors déjà c'est un sac du coup un sac à dos, et il a deux petites poches à l'avant et une centrale. Donc dans ma petite poche, moi je mets toujours du chewing-gum. Voilà. Donc là c'est un chewing-gum ou bubblegum, chacun ses goûts. Et du coup ouais, j'emmène du chewing-gum parce que pour ceux qui n'ont pas encore pris l'avion, c'est difficile pour certaines personnes en fait le décollage et l'arrivée, parce que à cause de la pression qui change, ça peut faire très mal aux oreilles. Donc moi je prends du chewing-gum et parfois je prends aussi des bouchons d'oreilles. Et du coup pour m'occuper, je prends aussi mes écouteurs comme ça. Donc ça c'est dans la poche celle-ci là en face. Comme ça, bah, si, je sais pas, moi, si je veux faire du montage ou regarder un petit film, et bah, j'ai mes écouteurs. Voilà, voilà. Ensuite, je vais ouvrir la poche centrale. Donc, j'emmène pas mal de choses dedans, mais tout est indispensable. Voilà. Déjà, j'emmène une couverture quand je prends l'avion, parce que on sait pas si dans l'avion il va faire chaud ou pas par rapport à la clim. Quand les vols sont courts, donc là le mien ça va être 3h45, ben je sais pas si j'aurai une couverture ou pas. Je vais voyager le soir, donc il fera plus frais. Donc j'emmène un petit plaid, celui-là il est tout petit, je l'ai eu chez Yves Rocher. Et bah ça fait l'affaire, hein. Comme ça au moins on se réchauffe et on n'attrape pas la crêpe. Ensuite mon sac se présente comme ça. Donc il y a deux petites poches à l'intérieur, à l'avant. Et donc dans l'une je mets mon téléphone, comme ça je l'ai à portée de main s'il me le faut. Et dans l'autre je mets ma carte d'identité. Donc là je pars dans un endroit en Europe, donc je n'ai pas besoin de prendre mon passeport. Donc voilà ma carte d'identité. Et je prends du coup, comme je vous disais, des bouchons d'oreilles. Comme ça je suis tranquille et je sais que je ne vais pas avoir mal aux oreilles dans l'avion. Donc voilà, bouchons d'oreilles basiques.
Alors autrement, je vous parlais du fameux sac qui doit être sous-scellé. Donc voilà, ça c'est les produits que j'emmène. Alors attention, je tiens à vous dire que si vous prenez un bagage en soute, faites attention à prendre quand même, si vous avez des médicaments par exemple qui vous sont indispensables, prenez-les en bagage à main, et pareil, prenez au moins un vêtement de rechange en bagage à main, parce qu'il arrive que des fois la valise en soute se perde, et donc bah, on se retrouve comme des cons avec rien à se mettre ou en manque de médicaments. Et du coup ça peut vraiment devenir problématique. Donc moi j'emmène mes antihistaminiques, un baume à lèvres, une crème pour les mains, du coup une crème solaire 50, là c'est la Mythica, donc c'est format voyage, donc comme ça si ma valise arrive en retard ou qu'elle n'arrive pas du tout, bah, au moins j'ai ma crème solaire. Et sinon j'emmène aussi un gel antibactérien parce que à ce qui paraît les hublots et vous savez la petite table dans l'avion où vous mangez, et ben à ce qui paraît ils sont nettoyés que environ une fois par an. Donc je vous laisse imaginer l'état de ces petits endroits là. C'est pas très propre, donc comme ça au moins je peux tout nettoyer et je risque pas de choper je sais pas quel microbe. Et j'emmène aussi un déodorant, donc là c'est pareil, c'est un tout petit de chez Yves Rocher au citron vert du Mexique. Voilà. Et comme je vous disais, du coup, emmener une tenue de rechange parce que c'est vraiment super important. Moi là j'ai pris une petite robe fluide, ça passe partout ça. Voilà. D'ailleurs, je sais pas s'il est déjà sorti. Non, normalement il est pas encore sorti, mais bientôt il va y avoir un try and haul qui va sortir. Désolée pour l'accent merdique d'anglais que j'ai, mais bon, c'est comme ça. Et donc il y aura tous les nouveaux fringues que j'ai acheté. Et dont cette petite robe, donc si vous voulez savoir où je l'ai eue, vous pourrez aller voir mon try and haul. Voilà. Donc tenue de rechange, et j'ai pris aussi un maillot de rechange. Donc j'ai pris un blanc, pareil, vous pourrez le voir au try and haul. Et c'est important quoi. N'hésitez pas vraiment à prendre une tenue de rechange minimum parce qu'on sait jamais. Voilà. Sinon aussi pour m'occuper dans l'avion, je prends un livre. Donc là c'est Je reviens te chercher de Guillaume Musso, donc c'est un thriller je dirais, et il est pas mal du tout. Le début est assez triste, mais là moi je suis arrivée à la moitié et franchement ça commence à bien me plaire. Voilà. Et sinon je prends aussi un chargeur parce que comme dans l'avion on est toujours convoqué une ou deux heures avant, et bah comme ça vous pouvez recharger votre téléphone à l'aéroport. Je sais pas s'il y a des prises dans l'avion. Et du coup je prends aussi une batterie externe, comme ça si le vol dure longtemps je peux recharger aussi dans l'avion. Et est-ce qu'il reste quelque chose? Bon bah voilà, c'est tout ce que j'emmène du coup dans mon petit sac à dos. Et sinon dans ma sacoche d'ordinateur, donc ma sacoche, voilà, il y a une poche ici, et sinon l'autre est là, la poche principale. Donc dans la poche de l'avant j'emmène toujours mon bullet journal, donc je mets toutes les sorties de vidéos dedans, toute mon inspiration. Donc dès que j'ai une idée je la note, dès que j'ai un truc à faire je le note. Donc là par exemple c'est cette semaine. Voilà. Et sinon j'emmène aussi ma paire de lunettes parce que je suis myope astigmate un petit peu, donc ça peut servir et ça évite d'abîmer les yeux. D'ailleurs si vous avez les yeux sensibles ou qui sèchent vite, vous pouvez prendre du collyr, bien sûr du coup moins de 100 ml pour l'emmener en bagage à main pour hydrater vos yeux pendant le vol, parce que ça peut arriver qu'à cause de l'altitude on ait les yeux qui sèchent, et pareil pour la peau quoi. Donc prenez vos précautions, voilà. Et je sais pas si les crayons sont autorisés, je sais que la pince à épiler n'est pas autorisée en bagage à main. Donc je préfère me méfier au niveau des crayons, j'en prends pas. Et du coup, dans la poche du milieu, j'ai mon ordinateur. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, commentaires ou ce que vous voulez. Donc la petite liste sera téléchargeable en barre d'infos sous format PDF. Et vous aurez une autre vidéo mercredi. Donc même si je suis en vacances, vous aurez des vidéos comme d'habitude deux fois par semaine, le samedi à 10h30 et le dimanche à midi. Ça change pas. Et j'espère que vous passez vous aussi de très bonnes vacances. Et je vous dis du coup à mercredi prochain. Gros bisous!